Bonjour la Team Terre, je suis le maréchal et logis-chef Michael, chef de peloton et chef de char. Titulaire du brevet des collèges, je me suis engagé au CIRFA le plus proche de chez moi en tant que militaire du rang et ensuite j'ai basculé dans la catégorie des sous-officiers. Le rôle du chef de peloton est de commander 4 chars plus 4 véhicules blindés légers. Mon rôle au quotidien est d'entretenir les capacités physiques, tactiques et techniques de mes soldats et cadres. Donc je suis moi-même dans un char, de là où je dirige mon peloton, où je commande toute la partie tactique. Le char Leclerc sert à faire du combat blindé à haute intensité. Il est servi par 3 personnels, un chef de char, un tireur et un pilote. Sa tourelle tourne à 360 degrés, on peut tirer à 360 degrés en roulant et c'est le seul char au monde à pouvoir faire ça. La première fois que je suis monté dans mon char Leclerc, j'ai ressenti un sentiment de puissance et de responsabilité envers mon équipage. Pour ma part, j'ai commencé militaire du rang en tant que pilote, puis tireur. Ensuite, j'ai été sous-officier, chef de char et aujourd'hui sous-officier, chef de peloton. Donc la journée type commence à 7h45 par le rassemblement. Ensuite, généralement, on commence par une séance de sport pour la première partie de la journée. Et on poursuit sur de l'instruction, technique, tactique et sur de l'entraînement, soit sur simulateur, soit sur le char directement. Depuis que je me suis engagé, j'ai été au Sénégal, à Mayotte, en Estonie, aux Émirats Arabes Unis et au Koweït. Si je devais résumer mon métier en 3 mots, c'est char, terrain et tactique. Donc quand je me suis engagé, mon père était fier et ma mère était inquiète. Et après 16 ans, mon père est toujours fier et ma mère toujours inquiète. Donc certaines des qualités nécessaires pour faire ce métier seront le goût de l'effort, l'envie de servir et la disponibilité. Donc merci la Team Terre, c'était Michael. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site s'engager.fr.